comment avez-vous connu Technitoi ? En faisant nos commissions à Intermarché à Marquette, on a vu ça dans le hall. Vous aviez des petites tuiles exposées avec les différentes couleurs, etc. Et puis franchement, bon, on a flashé tout de suite. Il y a un représentant qui est venu. Et puis voilà. Ça s'est fait assez rapidement en fin de compte. Comment se sont déroulés vos travaux ? D'abord, ils sont arrivés à l'heure le matin. Ça, c'est bien parce que c'est pas toujours évident dans les sociétés. Ils ont d'abord commencé à faire le nettoyage au Karcher. Le nettoyage après avoir protégé. Protéger les différents endroits. La pelouse, la façade. Et puis, il y a eu une paire de semaines entre deux. Quinze jours, trois semaines. Trois semaines. Et puis après, il y a eu la deuxième partie avec le produit qui a été déposé dessus. Quel est votre avis sur la qualité des produits ? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Avant, nous, on ne connaissait pas. C'était un peu plus de Karcher, et puis après, ça revient. Oui. Parce qu'il y a une maison là au-dessus où il y a un simple coup de Karcher qui a été donné. C'est pas le même résultat du tout. Il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs sortes de couleurs. Donc, suivant la maison, suivant le style, la façade, etc., vous avez du choix dans plusieurs teintes. Donc, c'est bien. Nous, c'est ce qui correspondait mieux à ce qu'on voulait. Recommanderiez-vous Technitoi à vos proches ? Ah oui, bien sûr. On l'a déjà sans fait problème, d'ailleurs. Ah, oui. On l'a déjà fait. Sans problème. Hein. Oui, oui.